L'intention de la loi Elan est excellente puisqu'elle a vocation à essayer de créer un véritable choc de l'offre pour permettre de rééquilibrer les prix. Et donc tout ce qui traite autour des permis de construire, qui est la plus grande difficulté pour nous promoteurs à obtenir, est excellent. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, il ne faudrait pas que les élections municipales, qui sont déjà en ligne de mire pour un certain nombre d'élus, ne retardent pas trop, ne décalent pas trop un certain nombre de projets, comme malheureusement nous le constatons sur le terrain d'ores et déjà. Ça, c'est une crainte, et notamment, il y a des secteurs qui sont victimes justement de cette possibilité de ralentissement et d'attribution de permis de construire. C'est une crainte avérée, constatée sur le terrain. Il n'y a pas de secteur en particulier, ce sont certains élus qui reportent des projets. Il y a des secteurs plus globaux liés, par exemple, à des modifications du PLUH. Je pense ici à l'agglomération lyonnaise, où les mises en vente ont baissé de 45% sur un an, ce qui est considérable et qui est l'inverse du choc de l'offre.